Nous rappelons-nous, m'te dit, année 2023, ça, c'est une année révélation. Année 2023, ça, c'est une année justice. Année 2023, ça, c'est une année tête chargée. Mesdames et messieurs, bagayo compliqué. Fednel, mon chéri, les deux partis politiques victoire prennent deux rangs. Dans le moment où on a parlé, il n'y a pas de l'eau qui pour laver Fednel, mon chéri, dans le dossier La Saline. Nous rappelons-nous, Fednel, mon chéri, était en bas côte déjà, mesdames et messieurs, pour quelques heures, parce que bois qui était derrière Bananio, pas de pitié du tout. Juge Jean-Wilner Morin voyait une invitation pour être capable de venir répondre à la question de la justice sous massacre La Saline. Fednel, mon chéri, dit, il n'y a pas fond Paquita. Il n'y a pas fond Panago. D'ailleurs, nous prenons le temps de déclaration. Et bien, juge Jean-Wilner Morin mettait un mandat d'amener après. Fednel, mon chéri, côté le bail autorisation pour arrêter le. Retez là, mesdames et messieurs, nous prenons le compte causé. Parce que ce n'est pas celle, Fednel, mon chéri, non, qui n'a problème. Ancien magistrat Port-au-Prince, Pierre-Richard Duplan, mesdames et messieurs, gagné pour répondre question la justice. 3 juillet, qui a venu là, sous dossier massacre La Saline. Rete là, nous prajoine tout détail dans un titan qui pas trop long. Yuri la tortue sentit la ville en danger. Bien que jusqu'à présent, l'hypoko jamais recevoir ordonnance juge Martel Jean-Claude, eh bien Yuri la tortue Geta Paris, mesdames et messieurs, ensemble avec tout avocat pour capable défendre tête li. Nous pral tande déclaration Yuri la tortue dans un titan qui pas trop long. Ce même dossier si là, nous gen maître Arnel Remy qui réagit. Selon Arnel Remy, juge Martel Jean-Claude a fait un travail extraordinaire. Nous pral tande déclaration ta l'air comme ça. Et comment pour nous ta parler journée aujourd'hui là sans nous pas ta pencher sous dossier sanction 4 nouveaux moun sa yo que pays Canada lui-même li arrivé fait. Ay bagayo bel peuple haïtien comment nous y citoyen dans 4 coins pays ak la diaspora. Moi voye yon gros coup de chapeau pour nous et c'est yon plaisir pour nous capable rentrer la caillou ensemble avec Rubrik si là. Mais avant nous aller plus loin après temps pour nous dire merci ensemble avec vous même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous même qui invite yon moun ki nan entourage ou abonné ensemble avec plateforme si là puis capable toujours être connecté à bon information. Jodi a c'est samedi 24 juin 2023 ça qui veut dire weekend a continuer. Conseil moi a toujours été même gens. Si n'a conduit pas boit, si n'a boit pas conduit. Weekend sa belle, mais notre weekend a pi belle toujours. À tes pays d'Haïti piégé, c'est nous-mêmes qui gagne responsabilité pour nous capable prendre contrôle tête nous. Dossier massacre La Saline, c'est un dossier qui fait un paquet tollé dans la République comme quoi c'est pouvoir qui t'a orchestré massacre si là. C'est Jovenel Moïse qui t'a besoin instaurer pouvoir qui t'a fait massacre si là à travers Martin Moïse. Vous vous rappelez bien que gon paquet parole en pile qui t'a fait comme quoi Martin Moïse t'a La Saline, il rencontré ensemble avec et comment bandit ça te relé ya. Martin Moïse a une discussion ensemble avec et mais c'est là ça que ont planifié massacre La Saline, côté plus passé 70 moun mouri selon ça Pierre Espérance même t'a écrit dans rapport RNDDH réseau qui a défendu droit moun. Mais d'après information qui t'est arrivé joindre nous massacre La Saline t'a gen environ 9 moun qui t'est mouri là-dedans. Mais là n'est pas le sujet, nous pral parler de Fednel mon chéri. Pendant longtemps, mesdames et messieurs, Fednel Monchéri, qui est ex-directeur ministère intérieur à collectivité territoriale, a gagné accusation de participer dans le massacre La Saline sous Dol. Malgré ça, Pierre Espérance Chita, sous même question, c'est Jovenel Moïse qui a fait massacre La Saline. Eh bien,
Quelque temps après, yo pral mette en bacode Fednel mon chéri qui te gen machine. Rosemilla petit frère, mesdames et messieurs, que t'ap conduit sous la lue. Divers plaques différents te en de machine. Le yo arrête Fednel, quelques heures plus tard, yo t'ap pral libéré parce qu'elle gagne autorité qui t'a protégé. Depuis après ça, Fednel mon chéri prend bâton pèlerinage. Tout côté, devant la presse, conférence sous conférence, a dénoncé Pierre Espérance, qui t'a con gang, qui relie groupe 4x4, qui fait un paquet de zak kidnapping, qui fait un paquet de zak assassinat. Et mais, mesdames et messieurs, 2 ans depuis Fednel mon chéri a fait tout ça. Question m'a toujours posé tête moi, pour qui ça? Yon nèg ki gen akusasyon sou dol, comme quoi li ta orchestré yon massacre toujours devant micro la presse sans que pa gen anyen ki di. Kote la justice haïtienne. Et mais la justice secoue kòl. Juge Jean-Wilner Morin l'ouvri dossier massacre la Saline et voye yon invitation by Fednel mon chéri, mesdames et messieurs, invitation que le monsieur a rejeté hier 23 juin 2020. 23. Mais avant que nous bon ça passe exactement, n'a invité autant de déclarations Fednel, mon chéri, sous invitation juge Jean-Wilner Morin. Je prends marre, mon chéri. Dossier pas nous, pas capable de traiter par juge Wilner Morin, pour plusieurs raisons. Dans toute radio, frère juge Morin, a juré assassin, voleur, criminel. Mm-hmm. Bah à l'aise. Non, t'as l'heure. Frère Morin, c'est Frère Morin. Frère Morin, son journaliste. Morin, son juge. Hein? Ça veut dire qu'il y a même signati, mais il n'y a pas la même personne. Est-ce que c'est Maître Morin qui a menacé dans la radio? Est-ce que c'est Maître Morin qui a fait dilatoire dans la radio Contour? Pour qui ça ou pas accepter invitation au juge sous base que Frère Juge ça, qui sont journalistes, qui a fait travail, eh bien, a parlé de où dans la radio? Non, un flou. Vraiment flou. En tant que journaliste, bon, si nous capable briller Morin comme ça, li capable faire travail, si un dossier qui rive dans main, li capable analyser, li capable vérifier et capable parler de où. Mais en tant que juge, Jean-Wilner Morin lui-même qui pas un jumeau avec Morin et même si on t'a en marasa, mon pap même pas de marasa même si on t'a si à moi. OK? Yo collé ensemble. Yo t'ap toujours gagné deux corps qui différents, deux têtes qui différents. T'ap toujours gagné quelques parties dans corps qui distingué. Là, ou pas gagné raison qui la cause ou pas t'aller répondre question devant juge Jean-Wilner Morin. En aller Fednel mon chéri. Sur toutes réseaux sociaux. Gagné émission radio, gagné content. Qui dit moun sa ki moun yo c'est allié Pierre Espérance. Il est content, il a dansé, même il a dansé dans le match football, dans le match Brésil, Messi, etc. Donc, d'après ça que nous connaissons, juge Morin voyait un mandat d'invitation, bien de comparution, ben nous, sous dossier la Saline. Mais, c'est tout côté, ben, ça a parlé, c'est sur le réseau social. Ça, c'est Kabilem qui l'a. Ça, c'est Kabilem qui l'a. La caille, moi, je ne vais pas recevoir rien comme document. Je ne vais pas recevoir rien comme document. Donc, moi, j'estime que c'est une démarche que même équipe Pierre Espérance là, a manigancé pour soit pour mettre mon côté, soit pour éteindre moi, soit pour fermer la bouche. Parce que pendant ce moment, à 3 reprises, je recevoir 3 appels ou bien 4 appels anonymes. Qui dit qui ça? Mon chéri, fuck ou by Pierre Espérance, on souffre. Parce que y a un bagaille qui a fait contre nous-mêmes tout. On dit qui ça comme ça? Il dit, mais sou pas by Pierre Espérance, on souffre. Ou a bien tant qu'on est. Mais c'est. Talle, mesdames et messieurs, talle. Et nous prenons l'article ça ensemble avec moi parce que moi que Fednel, mon chéri, focus sous Pierre Espérance dans l'invitation juge ça. En aller. Nous allons retourner ensemble, mesdames et messieurs. Accusé par l'ONU dans le massacre de la Saline, Fednel mon chéri, appelé à la rescousse de Jovenel Moïse, applaudit le CEP
dermalogue illégal. C'est l'ONU, mesdames et messieurs, qui t'a accusé, Fedel mon chéri, dans le dossier massacre La Saline. Fedel mon chéri, mesdames et messieurs, t'a sous les lieux. Li t'a sous les lieux, sur les lieux, le que massacre la lui-même, li t'a fait. Fedel mon chéri, jouen arrestation déjà. Nan dossier massacre La Saline. De ka servi nou ti photo, oui, ti photo pendant que yo t'ap arrêté Fedel mon chéri dernièrement nan massacre La Saline en 2021. Et machine qui était dans mes Fedel mon chéri, mesdames et messieurs, c'était machine Rosmila petit frère Jean Tedoul. Et nous connait qui yes qui t'a libéré Fedel mon chéri. C'est base crash édifé qui t'est accompagné avec la police nationale d'Haïti. Et base crash édifé fait partie regroupement G9 en famille et alliés main nous main toute. Et les articles ça pral sorti sur Fedel mon chéri. Les articles ça pral sorti sur Fedel mon chéri, mesdames et messieurs. Fedel pral senti li paniqué. C'est ça que fait. Gros bras yo qui te nan pouvoir te décidé y a libéré de façon illico Fedel mon chéri. Jwenn jodi an la, le nou tande que y a parlé de massacre La Saline. C'est pas ti bagay piti. Oui, nous capable comprendre que c'est Jovenel Moïse qui fait. C'est pouvoir qui fait, puisque toute parole en pile, tout rapport qui t'est dressé, c'était pouvoir. Atik sa a sorti dans le Nouvelliste. Indexé dans le cadre du massacre de La Saline, Fedel mon chéri, arrêté puis libéré par la police. L'ancien directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, proche du pouvoir en place, a été interpellé le samedi 13 février à Port-au-Prince par la police. Il a été libéré un peu plus tard. Selon ce qu'a fait savoir au Nouvelliste, Monsieur mon chéri, il était question d'une simple vérification d'une plaque d'immatriculation. Je suis chez moi maintenant. Tout est réglé. Je n'avais pas encore remis la plaque d'immatriculation que j'utilisais. Je l'ai remise. Tout est OK. Non, t'as l'heure. Depuis qu'il est, mesdames et messieurs, la justice haïtienne te bon comme ça. Yo tap arrêté ou pour ça qui gen a ouais ensemble avec plaque machine ou pot ko remet. Hein? Parce que jusqu'à présent, gen ancien sénateur, gen ancien député. Non seulement qui gagne plaque machine nanan meyo, mais qui gagne machine nanan meyo, qui gagne l'autre matériel qui sorti dans le Sénat ensemble avec Parlement, mesdames et messieurs, nan meyo. Mais Fedel mon chéri, dou kon sa, li dou kon sa que c'est à cause de plaque. À cause de plaque machine, yo te arrêté. Les États-Unis ont sanctionné le chef de gang Jimmy Cherizier et deux anciens membres de l'administration de président Jovenel Moïse, Fedel mon chéri et Joseph Pierre Richard Duplan, pour avoir orchestré le massacre de La Saline en novembre 2018. L'Office of Foreign Assets Control, OFAC, du département américain du Trésor a annoncé les sanctions jeudi, Journée internationale des droits de l'homme, dans un communiqué de presse. Cherizier, mon chéri et Duplan sont désignés violateurs des droits de l'homme pour être des étrangers responsables ou complices ou ayant directement ou indirectement participé à de graves violations des droits de l'homme, ont déclaré des responsables américains
dans le communiqué. Les trois hommes ont joué un rôle central dans l'attaque au cours de laquelle des gangs armés ont assassiné plus de 71 habitants lors du massacre, détruit au moins 400 maisons et violé au moins 7 femmes. Les membres du gang ont exécuté les victimes, y compris des enfants, puis ont traîné leurs corps dans les rues pour être brûlés, démembrés et donnés à manger aux animaux. Duplan a orchestré le massacre. Mon chéri a fourni des armes et des véhicules. Et Cherizier a mobilisé les gangs pour exécuter l'attaque, selon le communiqué. En échange de l'exécution d'attaques conçues pour créer l'instabilité et faire taire la demande de la population de Port-au-Prince pour l'amélioration des conditions de vie, les gangs reçoivent de l'argent, une protection politique et suffisamment d'armes à feu pour le rendre mieux armé que la police. Duplan, alors délégué départemental de Moïse, est accusé d'être l'architecte intellectuel de l'attaque, d'avoir rencontré des membres de gangs armés à la Saline pendant les violences et d'avoir fourni des armes à feu ou des uniformes de police aux membres de gangs. Mon chéri, au moment de l'attentat de 2018, était le directeur général de l'intérieur et des collectivités territoriales. Il est accusé d'avoir fourni des armes ainsi que des véhicules de l'État aux gangs, selon le communiqué de presse. Cherizier aurait ensuite dirigé des gangs qui ont tué, mutilé et détruit des personnes et des biens tout au long de 2018 et 2019 dans les quartiers de Port-au-Prince, y compris la Saline en 2018. Taleur. Je rappelle qu'à cette époque, pour que j'ai neuf en famille et allié maïgoulement et tout, parce que, bien sûr, en 2018, Barbecue était toujours en police. C'est après massacre la Saline que Barbecue lui-même a transformé Tetli en chef de gang. Donc, tout ça me saute pour nous, là, mesdames et messieurs, c'est pour me capable de montrer nous que ni États-Unis, ni la justice haïtienne trouvaient que Fedel Monchéri impliqué dans le dossier massacre la Saline. On continue tendre Fedel Monchéri. Trois appels anonymes que je vais dénoncer dans la conférence demain. Donc, moi estime que démarche que m'a fait dans ça qui vient à revoir avec gang 4x4, Pierre Espérance qui implique nous ensemble de massacre, dans fait faux rapport, bah elle a dérangé même équipe Pierre Espérance. Sous bah ça, nous-mêmes nous dit que complot ça pas passé. C'est là, c'est derrière mi caméra ça, nous te dit que deuxième raison c'est que en janvier février Pierre Espérance planifiait une démarche avec un ancien commissaire gouvernement que nous-mêmes nous indexé dans la mort Jovenel Moïse pour le permettre que tout dossier qui gagne non Pierre Espérance la donne pour tomber devant le juge Morin. Parce que c'est à partir de cette équipe ça dossier yo ka canalisé et laisse ça jugement tout fait pour Pierre Espérance. Comme dans le dossier massacre la Saline, dans le dossier massacre Delma 32, dans gang 4x4 et kidnapping, nous gagnons dit que Pierre Espérance monte dossier ça yo, mais tant qu'il a joué un bagage qui en faveur monsieur. Nous te dit nous pas pral traiter dossier ça devant aucun juge qui n'a tribunal premier instant du Port-au-Prince, parce que son tribunal qui dédié et spécialement à Pierre Espérance. Si nous avons regardé le dossier Chelson, dossier tout le juge, commissaire gouvernement qui est dénoncé, de que sous ça nous dit que ni dans le cabinet avocat, ni dans le bureau, ni la caille, nous ne pas recevoir aucune invitation de juge. Cependant, Gouma gaim vraiment pas capable comprendre dernier temps ça yo, c'est que à chaque fois on juge fait un bagaille ou toujours tande gon l'autre qui dit moun qui impliqué a dit li pas recevoir demande. Non, comment on fait pas capable comprendre bagaille ça, yo pas jamais recevoir demande. Ba qui est juge envoyer demande là exactement, ba qui est si voyel yo fait un bagaille, y a kembeli après y a chercher un huissier quelconque pour dire signifie mien pas de vili. Comme yo dit m'invitation c'est pour demain, donc sous qui base pour capable inviter au monde pour venir devant comme juge nan moins que 24 heures de temps.
ça lui-même, il suspecte. Et sous ça, nous dit que le dossier par nous, il n'est pas traité à niveau ça, parce que nous avons déjà récusé le juge Chavanne qui était sous dossier. Dans le confiolo, dans un mitaï, le dossier a tombé dans la main. Comment me faire connaître? Lorsque je fait gagner information que Pierre Espérance m'a décédé devant juge Chavanne pour le dossier est allé, que je t'ai dénoncé là, moi je fait démarche, je copie quand même, moi je fait démarche pour que moi connais qui côté dossier. Moi aller dans le greffe tribunal premier instance de Port-au-Prince, mais ça me joigne comme copie. Comme, et pas comme copie, donc comme certificat. Dans le certificat, ça, nous venons que le dossier dans le juge Maître Morin, depuis 8 février, dans la même époque, nous avons dénoncé le dossier ça, que Pierre Espérance demandait c'est lui pour traiter. Mais certificat, exactement, certificat pas gagné, mais il gagne dans l'autre monde. Ça, c'est certificat ça que nous jouons dans le tribunal, premier instant de Port-au-Prince. Donc, sous base ça, nous-mêmes, nous dénonçons l'action ça. Et nous-mêmes, nous prenons toute disposition que de droit, parce que complot, nous avons tant qu'on est, son complot qui montait parti clic Pierre Espérance. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes des déclarations. Fidel, mon chéri. Eh bien, à l'instant que nous avons parlé là, Fidel, mon chéri, il y a un mandat d'amener après lui. Alors que Pierre Richard Duplan, ancien délégué départemental, ancien maire de Port-au-Prince, gagné pour paraître devant juge Jean-Wilner Mourin, 3 juillet, qui a venu là pour capable de répondre aux questions sous dossier massacre la Saline. N'est-ce pas, c'est pas bon ici, l'entendez vous parler, pas quoi yo, parce que bagay yo compliqué. Mesdames et messieurs, ancien sénateur Thibonite Yuri La Tortue déclaré jusqu'à présent pour qu'on recevoir ordonnance juge Martel Jean-Claude sous dossier Lona. Ensemble, en temps de déclaration, Yuri La Tortue. Yuri La Tortue dit nous, et vous avez côté pour vous expliquer nous ce qui sort ou attend de l'ordonnance juge Martel et Jean-Claude Lan. Et où est que c'est dans le cabinet Maître Madissin que moi présenté là, puisque. Bon, dis-nous, moi, tendez gain ordonnance, là, justement, qui, dans la rue, que toute la presse a parlé de lui. Mais premier monde qui est intéressé par ordonnance, là, m'passe, c'est moi. Donc, là, m'étais étonné, m'vini dans le cabinet, mettre ma 15 côté mêlé domicile, pour m'te, ouais, est-ce que t'es signifié, non? Y'a beaucoup de gens me signifient, hein? Donc, on n'est pas qu'à gagner, justement, pour le signifier. Donc, imaginons une minute. Si y'a pas de gens me signifient, moi-même qui est intéressé, au premier plan, il n'y a pas signifié m'li. Ouais? Et pourtant, ordonnance ni dans la rue ni dans la presse. Parce que quand même, son violation, maintenant, du principe du secret de l'instruction. Parce que c'est vrai, et enquête là, il fait. Mais enquête là, il n'y a pas la gueule sur la place publique. Hein? Parce que l'instruction est secrète. Parce que c'est bon, le monde qui peut être connu. C'était vraiment premier, peut-être ça, je viens de garder. Et jusqu'à présent, nous, pourquoi qu'on est justement qui ça n'a ordonnance là. Mais qui sa question payé depuis le mois de la conférence de presse, moi t'ai expliqué ça à toute opinion et tout le monde qui attendait mieux. Yo accusé de détour, yo accusé de détournement de fonds sous question de coordonnateur bureau Bonaïve. Premièrement, m'a dit c'est tout sénateur qui ont bureau. Hein, c'est tout sénateur qui choisit un monde de confiance pour recevoir chèque là pour gérer bureau. Eh bien, c'est exactement ça me fait. Détournement, c'est l'on prend comme l'on fait l'autre bagaille. Eh bien, comme ça, les payer employés qui n'ont bureau Gonaïf. Et jusqu'à présent, bureau fonctionne mais. Donc, pas qu'à gagner détournement, si comme là, pour ça, au bail là, c'est ça qui fait. La seule chose que je t'ai toujours dit, le fait que yo paye mon en retard, nous-mêmes, nous qu'on paye mon eh bien, le que yo bay kob la, nous remplacer. Mais tout le monde qui n'a bureau a confirmé que yo toujours recevoir kob yo à l'heure. Oui, d'ailleurs, c'est employé bureau que yo y et qui bureau c'est bureau sénateur La Tortue. De toute façon, yo beaucoup signifié nous. Mais n'attend que yo signifié. Parce que le délai d'appel commence à courir à partir de la signification.
affaire dit non significare, non essai. Donc, à partir de ce moment, on a fait appel de décision, parce que appel là, il y a deux principes. Li suspensif, c'est-à-dire que, à partir de ce moment, li kembe tout bagaille en état, hein, et li évolutif, c'est-à-dire que li ou ka remettre tout bagaille en jeu, c'est de rejiger de l'affaire, parce que nous avons en Haïti le principe du double degré de juridiction. Donc, dans ça, ça, écoute, moi, pensez que, n'a pas continué à assumer la justice, parce que moi, pensez, jodia, eh bien, bon gens pour bagaille, il y a bon gens que droit, eh bien, il doit faire valoir, parce que la défaite, hein, du droit est éphémère. La seule chose, n'a pas dit toute jeune, hein, toute jeune, tout le monde qui a attendu, dans la vie, si tout bagaille est facile, on va avancer. Nous avons de conseils. Oui, merci. Nous avons de conseils. Merci pour le conseil, la femme. Faut pas être difficile pour capable avancer. Merci Yuri la tortue. Mais mesdames et messieurs, jusqu'à présent, monsieur la tortue n'a pas encore reçu la signification du juge Martel Jean-Claude. Il attend avec impatience pour pouvoir faire appel. Parce que il gagne un délai de 9 jours francs pour être capable faire appel de décision. La défaite du droit est éphémère. Et vrai, la défaite du droit est éphémère. Parce que il y a des séries de dossiers moi après un moment là, monsieur. Il y a des gens qui pensent la justice est finale net. Hey! Moi, je pense que la justice est finale. Bon, tant que petit dossier ça, on a pris, c'est kiff kiff là. Il y a vraiment intéressant. Lui a pris un dossier corruption avec Yuri la tortue. Ou a pris un dossier massacre avec Fednel mon chéri. Ou a pris un dossier corruption avec Edwin Tonton, avec Soje Bank, avec Unibank. Non, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, mais vraiment intéressant, mesdames et messieurs. En tout cas, Yuri la tortue a prêté tonne. Juge Martel fait travail en partie ensemble avec Arnel Rémy. Impression sous décision juge Martel Jean-Claude. Le juge Martel Jean-Claude, c'est un juge que nous respectons et que nous apprécions beaucoup dans le système. Et rendre une telle ordonnance dans une telle conjoncture s'avère d'un comportement hyper courageux. Attention. Parce que, écoutez, il y a de cela plusieurs années, la justice haïtienne fonctionne au ralenti et que des dossiers brûlants peinent à trouver des juges pour être traités. Attention. Par exemple, il y a un juge qui peut mener un pile dossier pour savoir ce que de sa fragile sensible. Mais écoutez, avec la faiblesse de notre système judiciaire, je pense que le juge s'est évertué à donner un travail sérieux. Et ça montre qu'il y a toujours de l'espoir, ça montre qu'il y a des gens qui décident de prendre, mais d'assumer leurs responsabilités. Ça montre qu'il y a des gens qui n'ont pas peur, des gens qui sont capables. Et il y a des gens qui disent, écoutez, nous ne fonctionnons pas dans un système barbare, nous ne fonctionnons pas dans une jungle, mais cependant, nous fonctionnons dans une société côté à faire promotion état de droit. Maintenant, rendre une telle ordonnance, ça veut dire, écoutez, d'autres juges peuvent suivre l'exemple du juge Martel Jean-Claude. Attention. Maintenant, il y a une bonne question que nous avons posée. Qu'en est-il des infrastructures judiciaires? Parce que le jugement tel un peu bien bureau, c'est vrai. Qu'en est-il des autres juges d'instruction qui n'ont pas le bureau? Qu'en est-il des autres juges d'instruction qui n'ont pas un endroit à siéger ou siéger? Peut-être que si l'exécutif dégage, prend responsabilité, maintenant, pour assurer que système justice a fonctionné correctement. Bon, garantie, dans pilote ordonnance comme ça qu'on sorti. Dans pilote ordonnance. Parce que écoutez, en pile, bah, gaspillé, c'est vrai, la loi est dure, mais c'est la loi. Parce que nous pas qu'à fonctionner dans une société côté impunité, c'est la règle. Vous savez, et côté tout le monde fait ça, vous voulez. Maintenant, il faut qu'un juge ou qu'une personne prenne sa responsabilité et vous dise, ah, mon cher, halte là.
ça doit cesser. Mais dans ce sens, nous-mêmes comme avocats, nous ne sommes pas constitués pour X, Y, Z. Mais cependant, nous saluons la décision du juge et pourquoi pas demander aux autorités exécutives pour une responsabilité de les accompagner, Julien. Voilà, mesdames et messieurs, c'était impression. Maître Arnel Rémy sous décision que Martel Jean-Claude lui-même lui prend comme juge. Et c'est vraiment courageux, comme il vient de le dire, parce que dans ce moment, côté situation vraiment compliquée en Haïti, côté Mounio Gopouvo, à mes amis qui extraordinaire, faut qu'on capable gagner un pile courage pour capable affronter genre de monde ça. Kounya là, on marre paquet nous pour nous prendre route Canada. Mélanie Jolie, mesdames et messieurs, m'bral checker tweet là pour nous. Mélanie Jolie qui c'est ministre affaires étrangères pays Canada qui mettait un tweet dehors bien sûr après que yo fin sanctionné en aller Mélanie Jolie. Mais qui ça Mélanie Jolie écrit? Nous imposons de nouvelles sanctions à 4 personnes liées à la situation en Haïti, dont les chefs de gang Lamor Sanjou, Vitelhomme Innocent et Johnson André. Ça pas intéressé. Mais pas qui peut intéressé maintenant. Cela envoie un message fort. Vraiment, mais vraiment trop fort. Les Haïtiens, soutenus par la communauté internationale, ne toléreront plus l'impunité. Depuis que l'international là dans bac nous qui est pour nous paix hein, si Dieu est pour moi qui sera contre moi, c'est ça que parole l'a dit. Et bien là communauté internationale a montré que les sanctionner Johnson André la mort sans jour vite l'homme innocent y a pas toléré impunité. Mais pour qui ça exactement nous sanctionner Onzao pour banditisme? Non, nous mettez en interdiction talé qui côté ou t'a bralé. Moun sa yo ki gen dossier dans 4 pays d'Haïti. Ki kote yo ta pral mande visa? Comment yo ta fait rentrer aux États-Unis? Parle chaud, parle vite parce que m'envie comprendre. Ki jan yo ta mou capable comprendre? Nous envie de Haïti. Mais ti poisson sa yo ki te yo pour nous. Ou comprend? Poisson sa yo ki te haïtien gérer. Nous met prend gros poisson. Ouais sa yo nous ka gérer. Bois calé, nous ka gérer n'importe façon, c'est l'état qui pou kouvle. L'État haïtien qui peut vient gérer la mort sans jour, vide la innocent, Johnson André, entre autres. Mais oui, ou capable de prendre tout André, André Aped, groupe 184. C'était le leader du groupe. Ne pas oublier, ancien ministre Affaires étrangères, pays d'Haïti, a été là dans tout, et Claude Joseph, bon, nous avons parlé de ça. André Aped, Mounsayo, des crimes, des assassinats. Des violences sexuelles, des violences physiques que moun sa yo cautionné. Gros poisson sa yo ou met kembe ou nan jakoutou. Mais l'autre yo kite yo pour nous parce que m'pa kapab comprendre comment on fait sanctionner vide l'homme. Hein? Ou dit le konsa l'pap ka rentre dans. Ou pral coupe. Qui visa ap coupe ya? Sou qui passe pour ap coupe visa? Nan ki maman donne men moun sa yo te gen visa? Canada, si se m'en passe, papa nan beti, se de Canada. Canada, c'est pas ça, ils sont dans le Canada. Nous comprenons, je suis là, Canada. Suspend. Non, il faut que nous soyons capables de suspendre. Et pas pour date, nous allons nous sanctionner. Pas si, nous sanctionner par là, mais à qui résultat? Qui résultat exactement? Parce que jusqu'à présent, là, Martelly a viré aux États-Unis. Martelly a entré au Canada. Non, pour qui résultat exactement? Parce que jusqu'à présent, là, on ne peut pas entendre réel dans la République. C'est là qu'on va dire, ouh, Jésus, ouh, papa, ouh, je pas même dans les réels, même pas besoin dans les réels, c'est plein. Et, Faonis Lestien, plein. Yuri la tortue, pas qu'à l'aise comme ça. Non, oh, Yuri à l'aise. Non. Joseph Lambert, pas qu'à l'aise comme ça. Rony Celeste, Hervé Foucault, qui cause Rémi. Comment moun sa ou fait à l'aise après ça? Que ça m'a nous va geler bien. Nous va saisir bien. Nous va geler fond. Qui bon?
qui je l'ai au manger à ou dis-moi parce que jusqu'à présent là m'attend dans moi-même m'attend dans donc tito là lito ça que n'a fait ensemble avec peuple haïtien hein? Son tola lito m'pense que il est lito pour nous capable suspendre on en a marre si nous voulons aider peuple là aider peuple là mais suspendre ensemble avec vieux joueur de bossal ça que n'a fait ensemble avec lien qu'on dit Ariel Henry parce que c'est grave. C'est vraiment grave. Ou ap sanctionné Johnson André. Hey, Mélanie Jolie, retenez, vous tendez Mélanie Jolie. Fais honnête, nous, vous tendez Mélanie Jolie. Suspend pas ce papa ici dans la toilette. Suspend. Nous avons un gros PM dans vous. Mesdames et messieurs, hey, garde photo ça avec. Est-ce que vous voyez Ariel? Non, est-ce que nous ouais qui grosse Ariel dans le pouvoir? Yo pouvoir me donner qui charger stress là. Est-ce que nous ouais qui grosse Ariel? Regarde le type. Nous pas connait ça l'a manger si c'est son déblé. Nous pas connait ça l'a manger mais Ariel mon cher, yo vraiment bien prend soin dans le pouvoir. Comme ça tout ne pas connait si c'est stress qui a fait le grosse comme ça, même pas comprendre bagaille ça. Je vraiment pas capable de comprendre grosse Ariel. Ça est la France, papa, vous comprenez, m'a déposé à Paris sur le tapis rouge. On va rencontrer le Emmanuel Macron. Gon Jean Pouye. Li gen raison ta fait tweet oui pour te féliciter Macron parce qu'il connaît à l'avenir il était capable rencontrer Macron. En tout cas, mesdames et messieurs, bagayo compliqué. Nous te bout là dans rubrique nous. Rendez-vous nous casser à midi boule ensemble avec Foucault zami Info Power pour reste information. D'ici là, restez bien et protégez-vous à tout à l'heure.